Bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je tiens à préciser la définition de brodeurs parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent c'est quoi, ça veut dire quoi brodeurs. Brodeurs ça vient de l'allemand les amis. Oui, ça veut dire frère, voilà. Parce que les gens ils savent pas de quoi je parle depuis, ça fait 5 ans que... Non pas peut-être pas 5 ans, ça fait plusieurs années, les gens se disent mais qu'est-ce qu'il dit au début? Pourquoi il dit brodeurs? C'est quel mot français ça? Brodeurs c'est l'allemand, voilà parce que j'ai fait 7 ans d'allemand, 8 ans. Tout ça pour retenir Der Didas et ça. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire les amis? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va encore une fois aller gratter les DS là où on peut. C'est-à-dire là. On va garder végétaux. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. On va garder végétaux parce qu'il stack. Voilà, le pogo qui stack. J'aurais dû mettre végétaux en première position. Enfin, il a besoin de stack. Il a besoin de stack et de stats. Donc là, en fait, je suis en mission Vegeta Rush Battle of Fate. J'ai toujours pas fait. Battle Fate, c'est quoi? Bah, c'est... Ça concerne pas mal de trucs. En fait, tous les combats liés au destin. Battle of Fate, voilà. Alors, en français, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Combat du destin. Par contre, les Geto, enfin les LR des 5 ans. C'est un peu fragile en vrai. Alors lui, il va passer ZLR. Dans quelques jours. Oh shit. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage qu'il soit pas ZLR. Je me souviens de l'intro avec les blanquettes. Ouais, mais ça c'était avant que les blanquettes quittent le navire, les amis. Il n'y a plus de blanquettes sur la chaîne. J'ai regardé mes stats, hein, c'est marqué 0. Il n'y a plus personne. Non, je rigole, il y a encore. En fait, les blanquettes qui regardent encore mes streams ou mes vidéos, c'est. En fait, c'est les darons. En fait, il y a des mecs, ils ont pas de compte YouTube, ils utilisent le compte YouTube de leur daron. Du coup, j'ai encore des broudines, des blanquettes qui regardent mes streams ou mes vidéos, mais ils sont extrêmement minoritaires. Faut lui donner des stats à lui. Hein. Ah, Végéto, tu me fais mal au cœur. Hein. Vas-y, pars en spé, toi. Espèce de miskin. Putain, j'ai de la peine. Il a très mal vieilli quand même. Hein. C'est fou quand même. Hein. Il a à peine 2 ans, mais t'as l'impression qu'il a 50 ans, tu vois. Parce que quand t'as 5000 de défense, je viens de te dire, en 2022, c'est mort. Je veux dire, il peut tenir combien de secondes à la red zone? Je crois que tour 1, il est mort. Hein. Oui, il va me carry pour la dernière phase, oui. En fait, ce qu'il faut, c'est un ZLR. À quand son ZLR, les gars? Parce que là, il me fait de la peine. Là. Il me fait de la peine de ouf, là. Non, on fusionne pas ici, nous. Oh, shit. Ouais, comme je disais tout à l'heure, on va avoir un petit souci de ki, parce qu'on n'a pas de support. En fait, je voulais jouer la team... la team des 7 ans. Pour ne pas devoir jouer avec la team de Boo. Parce que Battle of Fate, c'est le lead de Kid Boo. Déjà, les LR des 3 ans avant les ZLR étaient déjà mieux que ceux de 5 ans. c'est pas faux. C'est vrai que. C'est pas faux. Ils ont très vite dit. Après, en combat long, ils sont meilleurs, mais vu que l'accent actuellement est mis sur les contenus assez courts mais très difficiles, c'est dommage. Moi, j'aime beaucoup l'animation de cette de LR. Moi, j'aime beaucoup, tu vois. C'est juste qu'ils ont un peu vieilli, quoi. Mais j'aime beaucoup.
Bon, allez, on te laisse stack un peu. À... Tac. Et forcément, ils ont mis 100 000 direct comparé à ceux des 5 ans. Ah oui, mais c'est vrai que j'aurais pas le temps de stacker avec eux là. Ils font tellement mal que t'as pas le temps de stacker. J'avais oublié ce petit détail qui a quand même son importance, les gars. Alors. Ouais, je pense qu'on ZDR. Il lui faudrait plus de def en fait. Ce végéto il a quand même bien vieilli. Hein. Il s'en sort pas trop mal. Ça y est, Zoro. J'aurais peut-être. J'ai beaucoup pas mal de problèmes de kill. Hein. Aucun support, mais j'ai que des LR quasiment. Plus de 700 000 PV, les gars. 700 000 PV. Ah, ça va être une dinguerie. Hein. ZLR des 3 ans, enfin des LR, enfin ZLR des LR des 3 ans et des 4 ans. Parce qu'en fait, ça fait 3 et 4, ça fait 7. C'est con, mais personne n'y a pensé. Et je trouve ça fort. Quand ils ont annoncé une deuxième salve d'Evey Z là, je crois que personne n'était prêt. Hein. Personne n'était prêt. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette célébration? Elle est sans fin cette célébration. Ça veut dire que peut-être que pour les 8 ans, imagine, on pourrait s'attendre à... Non, on peut pas faire 5 et 6, ça fait beaucoup, ça fait 11. Non, j'avoue, les 7 ans, ils ont fait fort. Franchement, je crois que c'est la première fois qu'on a été aussi bien surpris. Je crois qu'on a même une quatrième partie, parce que le raid... Oh ouais, Végéto. Oh là 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 là. La quatrième partie. Il y a une quatrième partie avec le raid 999, là. C'est fort, quand même. À la fin de la célébration, ils nous ont lâché un raid qui demande... Enfin, qui propose 999 niveaux. Tu dis ah ouais. Plus ah oui il y aura un deuxième ZLR free to play. C'est fou ça. À la fin t'as encore un ZLR. C'est le Trunks et les Goku et Vegeta Junior. Bon c'est pas tout ça mais pendant ce temps on se fait un petit peu bolos là quand même. Un petit peu. Pour l'instant on tient mais le bolossage est quand même présent. Après, on a 500 000 PV. Hein? On a de la marge. On a de la marge, mais il faut pas déconner non plus. Qui stack plus vite la défense entre Guignou et l'air des 7 ans? Bah, Guignou, parce qu'il stack que la défense, alors que Goku. Enfin, l'air des 7 ans, il stack l'attaque et la défense. On a déjà farm les Goku Vegeta Junior. Les LR, je crois pas que tu peux commencer. Non, je crois qu'ils ont des médailles spécifiques. On l'a déjà eu sur la globale. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils l'ont avancé. C'était pourquoi? C'était pour la Saiyan Day? Si, on l'a déjà, c'est vrai. J'avais oublié ça. C'était par rapport à la Saiyan Day, non? Ils l'ont sorti plus tôt. En fait, parfois, la globale, elle fait des trucs que je comprends pas, tu vois. Parfois, franchement, il y a aucune... Je comprends pas leur décision. Après, il y a une technique logique, mais elle m'échappe la logique, tu vois. Elle m'échappe. Putain, Végéto, si je mange l'aspect, je crois que je meurs là. Je meurs instant. 112 000. Après, double SP. Double SP, c'est 2 fois 30%.
Ah, il est fragile, hein. C'est Battle of Fate, là. Ça y est, Roberto Lyotard. Il va se faire grailler. Ouais, j'ai peur. Donc, 70... Oh, triple SP, beau gosse, beau gosse. J'ai 3 avec... Enfin, je le possède avec 3 doublons, les gars. 3 doublons. 3 doublons pour se faire blosser. Après, il tape quand même... Il met des patates à 5 millions, quand même. Il faut juste un meilleur early, c'est bon, quoi. Ok, là on est tranquillito. Là, on est tranquillito. Ah, Dokkan Mode. Ouais, c'est pas grave. Dokkan Mode. Allez. Végéto free to play. Elle est vieille, la carte, aussi. Hein. J'espère qu'ils vont pas foirer son ZLR, les gars. Ah, déconnez pas. Hein. C'est Végéto. Hein. Quand c'est Végéto, faut faire attention. Faire très attention. Végéto, il est sorti il y a... Je crois que c'était en 2016. Non, c'est pas 2016, 2017. Non, 2018, d'accord. Autant pour moi. 2018. Ça fait 4 ans déjà. Ça va vite. Hein. Bientôt les 8 ans. Et en fait, on dit ça, on rigole. Et un jour, on va faire les 10 ans. À votre avis, Dokkan va tenir jusqu'à 10 ans ou pas? Ouais, je pense qu'ils vont tenir jusqu'à 10 ans. Il n'y a aucun signe de, comment dire, de chute, en fait. Il y a un ralentissement. Mais il n'y a pas, comment dire, c'est pas une chute comme ça, tu vois. Ça décélère, tu vois, le revenu décélère, parce qu'il y a plus de jeux mobiles. Mais c'est loin d'être mort. Loin. Ah, là, je vais peut-être pas kiffer, là. Oh bordel! Speak. Non mais arrête de parler de l'animé. L'animé, on l'aura pas. On n'aura pas. Est-ce qu'on aura le retour de l'animé avant les 10 ans de Dokkan? Franchement, j'y crois moyen. Il n'y a aucune annonce, les gars. Aucune annonce. Rien. Parce qu'en fait, s'ils font une annonce. Ça va sortir dans combien de temps? En fait, à partir de l'annonce et la sortie de l'animé, il faut s'attendre à 3-4 mois. 4 mois. Voilà. Là, je vois pas. Je pense pas que d'ici la fin de l'année, on aura la suite. Là. Aucune annonce, les gars. C'est triste. On peut avoir d'ici les 10 ans de Dokkan un troisième film. Ils mettent à peu près 3 ans pour sortir un film. Donc peut-être que dans 3 ans, on aura un nouveau film. Mais pour l'instant, l'animé, c'est au point mort, les gars. C'est dead. C'est dead de chez dead, là. On avait notre petit rendez-vous, hein, qui se rappelle de ça. Le petit rendez-vous. Je sais plus, ils sortaient quand les épisodes, mais je crois que c'était un jeudi. Je sais pas si c'était un jeudi ou un dimanche. On avait notre petit épisode chaque semaine, les gars. On était là, on attendait comme des connards pour voir les leaks. On comprenait rien, mais on était content parce qu'on voulait pas se faire spoil. Ouais, c'est qu'ils ont déjà sorti presque tous les persos dans tous les... Ouais, je sais bien, c'est vrai qu'on tourne en rond, là. C'est obligé de piocher dans des trucs où on s'attendait à rien, tu vois. Parce qu'en vrai, Trunks, Vegeta, Garlic Gun... C'est pas le truc qu'on attendait d'offre. Ouh, attention, on prend des patates là. On prend quand même des petites patates dans la calotte là. Bon, dernière phase. Là, les amis, on va envoyer toutes les sauces Nyokmam du monde. Toutes les sauces du monde. C'est parti. Voilà.
Ah là, on peut pas. Là, tu vois, il y a des animations que je skip et d'autres qu'on ne skip pas, les amis. Ça, on ne skip pas. Oui, il y aura les persos du film, mais évidemment. Bah, de toute façon, la célébration palier, il y a de fortes chances qu'on se tape les persos du film. Fusion. J-12, les gars, pour la sortie des portails. Enfin, lorsque cette vidéo a été tournée. 2 jours avant la sortie des portails. Tain, 2 jours, c'est demain. Hein. C'est demain, les amis. On manque un petit peu de PV, donc on va faire ça. Ah oui, d'accord, j'ai bien stacké, hein. Est-ce que j'ai bien... Ah non, j'ai item avant, je suis con. Putain, j'ai item avant. J'ai pas 800 000, mais je dois avoir 600 000, un truc comme ça. Ah, j'ai bien stacké, hein. Non, mais j'ai claqué l'item, même. Sans l'item, je suis à... J'ai bien stacké depuis tout à l'heure. Il est à 100% aussi, hein. C'est celui de l'ami, il est à 100%. Ah oui, il a dû mettre le PIB de Roubaix à lui tout seul. Hein. L'auto-attaque à 2 millions, les gars. Enfin, à 4 millions, mais que ça a crit. Quelle carte qui a la meilleure OST? Ah, moi, je préfère l'OST de Gogeta. L'OST de Gogeta, là, masterclass. Et Vegeta aussi. Goku Namek, l'OST aussi, est vraiment très, très sympa. Ouais, regardez. Un tour, les gars. Un tour. Et le Vegeta, il est en train de pisser le sang, là. Aïe. Il reste 3 misérables barres de vie. Et là, il a compris, c'est qui le patron. Et là, finish him. C'est le finish him qui l'attend. Ok, Gogeta, Tech. La propreté, les amis. Son Goku. Voilà. Finito, les amis. C'est finito. On pack fort pour lui, les gars. Le all-in. Là où ils sont forts, Dokkan, c'est qu'ils sont inspirés de tous les jeux Dragon Ball. En fait, l'aspect... Enfin, l'active 6 de Gogeta, en fait, ou même les différents aspects de Gogeta, SSG4, ils sont inspirés de Fighters. Ça me rappelle comment One Shot Buan. Ah là là. Le classico. Le classico, les amis. Non, mais c'est fou, hein. Dokkan, ils sont forts. Là, franchement, autant il n'y a pas de contenu, autant en termes d'animation, c'est fort. C'est fort, les gars. Ah, le mec, il a mis... Il y a un mec qui a dû mettre le PIB de Congo, du Congo facile. Celui qui a mis qui a le Gogeta et SG4 à 100%, non? Évidemment, Palil, évidemment. Quelle question. Bon bah du coup on a terminé notre dernière mission du Vegeta Rush. Voilà. À nous 5 DS les amis. Ça fait plaisir. Voilà. Bah sur ce les amis, passez une bonne journée. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch comme mes pubs, le lien se trouve dans la description. À très bientôt.